Hello les amis, bienvenue sur Blabla Linux. Pourquoi ? Pour trouver un gagnant concernant le concours du SSD de 120Go de marque Kingston. Tous ces noms-là, ce sont les noms des gens qui ont participé au premier concours. Le premier concours qui a eu lieu, c'était un SSD de 60Go de marque Corsair, je pense. Donc ici, ce sera un SSD non plus de 60Go mais de 120, et non plus de marque Corsair mais de marque Kingston. Alors, petit rappel, le premier SSD a été offert grâce aux revenus qu'a généré ma chaîne. Vous voyez, les pubs, ça n'a pas que du mauvais. Maintenant, je dis tout de suite, j'avais même pas eu assez, j'avais dû rajouter 2-3 euros. Pour le disque, les frais de port, ça a été à ma charge, entre 20 et 30 euros, je sais plus, il me semble. Hein? En gros, ma chaîne, je crois que j'avais réussi à récolter 55 euros et j'en avais pour 75-80 en tout avec les frais de port. Donc j'ai déjà eu des. Les frais de port à ma charge. Ici, vous doutez bien que c'est de ma poche. Le nouveau SSD, donc pour le nouveau concours. Le disque coûte, je crois que c'est 60-70 euros, plus les frais de port. Bon, on approche les 100 euros. Hein, parce que si c'est un gagnant de France, en plus, si c'est une personne de France qui gagne, ça va me coûter ça. Donc, j'estime alors que j'ai le droit de. J'ai le droit de certaines choses. Et quelles sont-elles? Ben, j'ai le droit de retirer du concours Monsieur JP Moreau. Ben oui. Je vais pas dire pourquoi, je pense qu'il s'en doute. Hein. Quand on vient me dire t'es le plus beau, t'es le meilleur, ce que tu fais c'est génial, je te suis, j'attends tes vidéos avec impatience, enfin voilà. Déjà, c'est pas vrai, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus beau, y a pas que moi, faut rester humble. Mais bon, si tu tiens à me le dire, ok, mais alors, assume ce que tu dis et ne va pas autre part dire l'inverse ou à la limite me déblatérer. Ok, donc je te retire du concours, c'est mon droit. Ici, je ne veux pas polémiquer, mais je pense que, voilà, je retire aussi Actualia. C'est le bon de guerre, comme on dit. Hein. Ok. Donc, voilà, les autres, non. Hein. Je vais pas les citer oralement. Je vais juste plier les papiers. Voilà. Ouais, j'ai un beau grand pot. Hein. Regardez, on peut faire ça même. Ce sera mieux. Ah, voilà, comme ça. Alors, tant qu'on est là ensemble, des bonnes fêtes de Noël en retard et des futurs et un futur beau réveillon de Nouvel An et une future bonne. Comment est-ce qu'on dit? Bonne nouvelle année. Qui va bientôt débuter. Alors, sachez que il y aura encore d'autres concours. Maintenant, avec des lots un peu plus gros, j'aimerais faire gagner des machines reconditionnées. Sous Linux, bien entendu. Hein? Mais pour ça, et pas rien que pour ça, hein, mais entre autres, pour ça aussi, je vais un peu restructurer les canaux Blabla et plus spécialement le canal Blabla Linux YouTube. Oui. Je n'ai jamais cherché la notoriété, je n'ai jamais cherché le nombre de vues, le nombre d'abonnés, donc entre guillemets, je m'en fous un peu. J'ai des abonnés, j'ai des j'aime, j'ai des chouettes commentaires, ça me fait plaisir, je n'en ai pas, ou j'ai des commentaires de merde ou des dislikes, je n'en ai rien à cirer. Donc, je sais pas, je suis en train de me tâter, mais en gros, je me demande si
YouTube ne me servirait pas d'hébergement pour mes vidéos, tout simplement. Donc toutes mes vidéos qui sont déjà publiées et les prochaines seraient en non répertorié, avec les commentaires désactivés. Pourquoi? Parce qu'elles seraient visibles. Elles seraient visibles et publiées, je vais dire, aux yeux de tous sur le canal Blabla Linux Facebook et sur mon blog si je rédige un article de blog. Voilà. Et en plus, ben, ça permet aussi. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je n'ai plus trop le temps de sortir de vidéos. Et quand je sors une vidéo, souvent, moi, ce sont des vidéos de présentation. Donc, voilà. Je fais une vidéo, je la publie. Je ne viens sur YouTube que pour ça, quasi. Pour lorsque je publie ma vidéo. Donc, une fois que ma vidéo est publiée, je ne viens plus sur YouTube. Donc, je ne vois pas les commentaires qu'on publie. Et si on me demande de l'aide, je n'ai pas le temps d'apporter de l'aide. Ben oui, je n'ai pas fort le temps. Souvent, je finis mes journées bien tard. Et voilà, j'apporte déjà de l'aide tous les jours envers mes clients. Donc, je n'ai... Voilà, et le boulot avant tout. Donc, je n'ai pas trop le temps d'apporter de l'aide sur YouTube. Et puis, j'estime que ce sont des vidéos de présentation et que YouTube n'est pas fait pour apporter de l'aide. J'ai sorti un canal Blabla Linux sur Facebook pour l'aide que l'on souhaite obtenir. Donc, si vous voulez de l'aide, ben, vous allez sur Blabla Linux Facebook ou ailleurs. Voilà. Parce que certains disent, ben, tu sais, le mec, là, Blabla Linux sur YouTube, de toute façon, faut pas lui demander de l'aide. Moi, je lui ai demandé, il m'a même pas répondu. Ou voilà. Ben écoutez, ce n'est que du loisir, ça. Je ne suis pas tenu de vous répondre et je ne suis pas tenu de vous apporter de l'aide. Surtout que, ben voilà, c'est pas prévu pour deux et que j'ai sorti un canal Blabla Linux sur Facebook pour obtenir de l'aide. Si vous ne voulez pas y aller, ben c'est tout, c'est pas mon problème. Ok? Mais voilà, je pense qu'il va y avoir du changement pour 2018. Certains vont dire génial, d'autres, bah, comme d'habitude, vont dire oh, c'est de la merde. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Et de toute façon, je cherche pas à plaire à tout le monde. Surtout pas dans ce monde-là. Je sais pas, j'ai pas lu les noms. Bah, vous les voyez comme moi. Voilà. Et voilà. Il y a quand même eu beaucoup de participants, hein, encore une fois. Ça se tient, je pense qu'on est à entre 80 et 90 participants. Voilà, sinon, tout va bien pour moi. J'espère que tout va bien pour vous. Je n'ai encore souhaité à personne de joyeuses fêtes, donc je vais en profiter. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, hein, de fin d'année. Le plus important, c'est la santé. Ah oui. Donc, une bonne santé pour vous et pour vos proches. Ceux qui ont déjà eu des problèmes de santé, hein, personnels ou qui ont des proches qui ont des soucis de santé ou qui ont perdu même des proches, savent que la santé, c'est hyper important. Ouais, regardez ça, le gros pot. Le gros pot plein de noms. Et là-dedans, il y a un gagnant. Bah oui. Et puis, voilà, en parlant de 2018, j'aimerais bien m'atteler à d'autres projets. Voilà, peut-être des projets... Voilà, on me verra moins, mais c'est pas pour ça que je ne ferai rien. Je vais essayer de participer... plus activement, mais pour participer plus activement, comme je le dis, parfois il faut savoir se faire discret, parce qu'il faut bien se dire que ceux qui abattent le taf le plus important, ce sont les gens discrets, les gens qu'on ne voit pas quasi, et ceux-là souvent on les oublie. Et voilà, regardez, allez, on y va. Allez, on mélange, attention, on mélange.
Stop. Oh, j'ai un billet. Yeah. Yeah. Je veux bien t'ouvrir, toi. Oh, AZERTY Smith. Eh bien, je sais pas qui t'es, je sais pas si tu me suis depuis longtemps, si tu es un nouveau suiveur, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de me contacter avec ce compte-là, hein, avec le compte AZERTY Smith, de me contacter via la chaîne YouTube, hein, pas en commentaire, hein, tu me contactes, hein, donc via l'onglet... contacter ou discussion, je pense. Et voilà, une fois qu'on aura pris contact, bah, tu me communiqueras ton adresse et bah, voilà, je te ferai parvenir ton lot. Je ne dis pas dans l'immédiat, mais voilà, tu auras ton lot. Ne te tracasse pas. Allez, sur ce, moi, je dis bye bye et à une prochaine. Allez, content pour toi. Ciao.